parti de Saint-Pierre ce matin à 7h30, puisque le pilote voulait qu'on attende le lever du jour finalement. Donc il y avait à peu près 35 nœuds de vent, sous la neige, le pont givré, fait que c'était un petit peu sport pour commencer. On a hissé les voiles sous le vent, donc du côté protégé du vent de Saint-Pierre. Et depuis une dizaine d'heures, maintenant on fait route, donc on a une très bonne moyenne, puisqu'on est à peu près à 10 nœuds de moyenne, pour Tara c'est bien. On a un peu de voilure réduite et une houle de 5 à 6 mètres de sud-ouest, puisqu'en fait, depuis qu'on arrivait à Saint-Pierre, il y avait 8 à 9 en permanence, et sauf peut-être pour ma demi-journée de samedi, où c'est redescendu à 6, et c'est reparti dans la nuit, ce qui fait qu'on a une mer quand même grosse depuis plusieurs jours. Donc en fait, on a 12 200 milles à parcourir en 12 jours, un peu plus. Normalement, donc, cet endroit à Saint-Pierre-Terre-Neuve, là, c'est l'endroit où naissent les dépressions. Donc du coup, on devrait avoir du vent portant assez frais, favorable. Après, on ne sait jamais, hein, la météo, c'est très aléatoire. Il suffit qu'il y ait un cyclone des Açores qui remonte ou des dépressions qui descendent un peu sud. Et on peut rapidement avoir du vent de face. Donc normalement c'est faisable, mais voilà, on va faire tout pour essayer de faire le plus de routes directes avec ce vent frais.